C'est absolument incroyable. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, vidéo que j'adore, vidéo où on a deux chiens qui vont rendre dingue sa maîtresse. Et ça, moi, je trouve ça génial. On a une femelle Rottweiler avec un mâle Bouvier Bernois. Et regardez bien ce qu'ils vont faire. Moi, je trouve ça incroyable. Et je vais même vous dire un truc, comptez pas sur moi pour les disputer. La maîtresse les rappelle au pied. Au tout départ, au moment du rappel au pied déjà, ils vont se regarder tous les deux. Ils font 2-3 pas, elle va demander de ne pas bouger. Et là, les deux se jettent des regards. C'est absolument incroyable. Ils sont en train de se demander s'ils doivent obéir ou pas. Et s'ils ont envie de le faire ou pas. Ils ont créé une telle relation, ils sont tellement bien tous les deux, qu'ils sont en train de se demander un petit peu s'ils peuvent t'embêter. Tu sais, c'est un peu comme à l'école. Quand t'es pas un très bon élève, mais que tu fous un peu le bazar, tu vois. Et bah même quand t'as la réponse, des fois tu la donnes pas. T'as pas envie de t'afficher, tu vois, sur tes potes. Et bah là, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut y aller avec du toucher. Petit 1, il faut pas casser leur relation. Et donc, il faut pas s'énerver. Il faut regarder un petit peu le tempérament et la personnalité des chiens que vous avez en face de vous. Si c'est des chiens qui peuvent être problématiques parce qu'ils ont des troubles de comportement, parce qu'il y a des déviances, d'accord? À ce moment-là, effectivement, il faut les reprendre en main et leur dire « Oh, vous arrêtez de vous regarder, c'est moi qui décide. » Parce qu'effectivement, ça peut poser problème. Quand il n'y a pas de problème, il faut les laisser faire, les deux pépères, là. Il faut peut-être essayer de jouer au « Je vous laisse faire un petit peu ce que vous voulez du moment que vous vous comportez bien. » Et de temps en temps, il faut leur montrer que vous sifflez la fin de la récréation. Et il faut leur mettre, en fait, des variations de température. Un coup, c'est chaud, un coup, c'est froid. Et ensuite, peut-être aussi, pour leur mettre un petit challenge à tous les deux. Le premier qui va faire, il va être récompensé, pas le deuxième, hein. Et c'est comme ça que tranquillement, tout doucement, vous allez aller rétablir un certain petit équilibre entre le « je vous laisse un peu en autonomie », mais déconnez pas les frérots quand même. On résume, c'est un kiff de voir ça. Il faut pas casser ces choses-là. Il faut surtout pas s'énerver. Il faut pas vouloir forcément des chiens robots. On s'en fout. Ce qu'il faut, c'est avoir des chiens qui peuvent vivre librement et le plus heureux possible sans causer de danger aux autres et sans que les autres puissent leur causer des dangers. S'il n'y a pas de problème, pourquoi on va aller en créer? Et ensuite, et c'est là en fait que c'est très intéressant d'être un maître de chien, faites marcher votre tête et proposez-leur des petits exercices, des petites choses à faire pour que les deux, tout d'un coup, ils se disent « Merde, mais il va peut-être falloir qu'on se dépêche un petit peu d'obéir. » Parce que plus vite on va obéir, plus vite on va avoir des trucs aussi. Et là, tout d'un coup, eh bien en fait, ils ne sont pas deux contre un, mais vous êtes trois à proposer des choses. Et donc là, vous avez resserré les trois liens en fait. C'est vous trois qui êtes comme ça. C'est l'ensemble de tout ça qui fait que vous avez une vie passionnante avec vos animaux. Parce que c'est ça la vérité. Avoir des animaux, c'est passionnant. Et si c'est pas passionnant, c'est qu'on s'est trompé et qu'il fallait pas en prendre. Voilà la vérité où elle est. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.